Vous reconnaissez la carte de France. Au nord, entre la France, la Belgique et l'Angleterre, la mer du Nord. Tout à fait au nord du littoral français, aux environs de Dunkerque, la côte est basse, bordée de dunes. Une herbe dure pousse dans le sable. Le rivage est plat. Le vent pousse le sable en longue traînée. Nous sommes en avion au-dessus du détroit du Pas de Calais. Vous apercevez le cap Griz Nez, vers la partie de la côte la plus rapprochée. Nous allons passer plus près du cap Griz Nez. On voit ici de hautes falaises au pied desquels la mer vient briser ses vagues. Nous sommes maintenant sur la falaise du Cap. Nous sommes descendus jusqu'au bord de l'eau, au milieu des rochers. Ici, la mer est très souvent agitée. Vous apercevez des vagues énormes. Une grande digue protège l'entrée du port de Boulogne. Les plus grands paquebots peuvent s'y abriter. La côte reste encore rocheuse pendant quelques kilomètres vers le sud. À marée basse, on vient cueillir des moules qui vivent par millions sur les rochers.
un peu plus au sud, vers le Touquet. La côte redevient plate et sablonneuse. On y voit des plages immenses. Pendant des kilomètres, on peut suivre le bord de l'eau sur le sable bien uni. Les vagues viennent se dérouler doucement le long des plages. Avant d'arriver à l'embouchure de la Seine, à Entretat. Nous sommes en avion. Vous apercevez les grandes falaises blanches qui s'élèvent à pic au-dessus de la mer. On ne peut descendre vers la mer que par les vallées des cours d'eau. C'est là qu'on trouve les villes du littoral comme Entretat. Nous sommes au pied de la grande falaise grailleuse. Les vagues creusent peu à peu dans le bas et, de temps en temps, il se produit des éboulements. Les parties plus dures peuvent résister longtemps et restent debout en avant. À l'embouchure de la Seine, le Havre. Voici le port du Havre, vu en avion. Nous sommes juste dans l'estuaire de la Seine et nous passons en bateau devant l'entrée du port. À la sortie de l'estuaire, vers l'ouest, la plage de Cabourg. La côte est redevenue basse, sablonneuse, avec des plages où de nombreux baigneurs viennent se reposer pendant l'été.
La pêche aux crevettes. En avion, on aperçoit les rochers presque à fleur d'eau. Ces rochers sont un danger pour la navigation. Au nord du Cotentin, le cap de la Hague. Des pointes de granit s'avancent dans la mer en haute falaise noire.